à toutes et à tous les amis et bienvenue dans notre let's play de South Park le bâton de la vérité. Souvenez-vous, précédent épisode, nous avons défoncé un évêque qui nous a donné une paire de couilles. Voilà, je suis très content. Et du coup, on est en train de madigancer avec un prince qui va nous mettre un couteau dans le dos, tout simplement, puisque voilà, en gros c'est un connard. Donc du coup, on va voir où nous en sommes au niveau des quêtes. Alors, remettez au duc de Vancouver la lettre de la princesse du Canada pour gagner son soutien. Donc, Vancouver. On va à Vancouver. Merde, je suis re-rentré en fait. C'est où Vancouver? Ah, c'est tout en bas. On va y aller. Tranquillou, il n'y a pas de monstre. Il manquerait plus le comme dans les Pokémon, vous savez. Allez, on est à Vancouver. Donc évidemment, il y a du hockey dans le coin. Rush. Putain. On peut pas l'avoir, dommage. Welcome to Vancouver, the San Diego of Canada. C'est toujours un truc du Canada de ouf, quoi. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How? A letter from the princess? What the? Why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. Ouais, c'était encore un truc de paix de malade. Ok. Parlez aux moines. Donc on enchaîne, hein. Je vous avoue que je rush un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à me dire, lui? Il m'intéresse. Quickly becoming the world's 11th most popular sport. Ok. Many wonderful films are shot in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Truc de soir en série, super. Ok, duc de Vancouver. C'est Timmy, Timmy. Timmy qui dit Timmy. Alors, bon, on a toujours rien de spécial. On va juste peut-être, non, on va garder ça parce qu'on est en mode passeport. On a des points de compétences. Ok, qu'on va pouvoir utiliser du coup. Augmente les dégâts d'éclair, coup porté à l'éclair foudroyant, surcharge vos attaques ou permet de faire des victimes supplémentaires. Ok, le feu du bûcher inflige désormais un statut de flamme à tous les ennemis. On va partir là-dessus, en fait, tout simplement. Et on va le garder, l'autre, ça peut nous servir. Wally Wallou. Bon, du coup, hop, non, j'ai pas envie de me battre contre des serpents. Et désormais, le catacombe est ouvert. Ah, je suis rentré avant. Oh putain, le truc à la Pokémon, quoi. C'est la S-Mavé. Allô? À secours! Ah, j'adore. Oh putain. Une gemme canadienne, putain. C'est énorme. Alors, comment je peux niquer ce truc? Ah, j'ai compris. Nanana. Ah bah non, j'ai pas compris. Hop. Il y a bien un P qui doit... Oui. C'est la S-MV. Allô? À secours! Gee whiz, whistle bridges. Non plus. Ah, il faut que j'aille voir le moine avant, de façon, non? Je cherche un peu là, mais partez en quête des mystérieux moines vivants au sud-est de Vancouver. Au sud-est de Vancouver, on n'est pas censé aller dans les catacombes en fait, hein. Pas pour l'instant du moins. Oh putain. Au sud-est de Vancouver. Ok. Donc on rentre dans Vancouver, j'imagine. Faudrait traverser le pont en fait. Ah! Énorme! Génial! Oh, Terrence et Philippe! Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about, Terrence. Nah, can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. Ah ouais! What is the sound of one anus farting? Now you know! What is the sound of one anus farting? Now you know! Who are you? J'ai pété sur Terrence et Philippe. Voilà, tout va bien.
Ok, qu'est-ce que je suis censé faire du coup? Là, j'avoue que je comprends pas des masses. Hop, on va détruire ça parce que ça nous donne des choses. Mais c'est tout ce qu'on a. What is the sound of one anus farting? Now you know. Ok. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Ok, qu'est-ce qui... Ouais, je, là j'avoue, j'ai du mal là. Lancer le cri du dragon sur Philippe. D'accord, ok. Ok. He knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he farted into his hand and hit you in the face with it, Philip. Ok, donc maintenant. Pas celui-là, je crois. If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fez? Hop, c'est celui-là qu'il nous faut. The sneaky squeaker! Very impressive. He's worthy of our training after all. Yes, prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Oh! Putain. Your magic is impressive, young American. J'adore. Le truc de Matrix, quoi. Now, you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Énormissime. Énorme. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Oh, putain. Believe in yourself. Trouve la fréquence. On charge. Nagasaki. That's it. Now let us see how Nagasaki works in battle. These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move. Nagasaki. Hop, t'es par là. On le charge. Et on l'envoie. That's it, you have the power. Oh putain. You did it. Now go out and use your anus for the good of mankind. Service de l'humanité. Don't ever fart on a man's balls. Jamais sur les couilles. Toujours. Jamais sur les couilles, très important. Grâce à ça, du coup, on peut aller du coup dans les catacombes. Avec grâce à Nagasaki, on va pouvoir tout défoncer. Alors, hop, on va faire un check du côté des quêtes, les amis, comme d'habitude. Regardez ce qui où il faut aller aux catacombes, voilà, du Québec, utiliser nos pouvoirs. Paix pour secourir le ministre de Montréal et lui demander de traduire le document. Du coup, on y va. Il y en a pas pour long. On va runner, du coup, tac, 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 avant de se faire attaquer. Voilà, je suis rentré avant. Ah, je vous jure, c'est un truc de malade hein, ce jeu. Ah, voilà. Alors, et on peut faire demander le paix. Pour tourner. Ouais, enfin, c'est classique apparemment. Oula. Lorsque vous serez prêt de bien, lorsque vous aurez atteint la bonne fréquence, il va voir également. D'accord. Il faut trouver la bonne fréquence. On l'a. Ah merde. Faut comprendre encore une fois le truc. Donc on reste en bas. On trouve la fréquence. Allez. Ah là, j'ai la fréquence. Oh, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Hop.
Et du coup, on va pouvoir utiliser... pas ce que je voulais faire. Hop. On y va. Hop, on les attaque en premier. Je suis toujours sur la Frucida, moi. Ça a un peu abusé. On va essayer de se faire, du coup, avec une potion de mana. Le Nagasaki en combat. On va tenter. Ah, je peux pas. Je peux pas encore. C'est pas grave, on va les brûler, du coup. Putain, c'est compliqué. Il y a des ours derrière et tout, il y a du peuple. On devrait vite s'en séparer. En tout cas, la première ligne est tombée. Tac. On va pas se prendre la tête. Si, on va se prendre la tête. Hop, allez-vous. Maintenant. Ah merde, du bouclier. C'est dommage. Couille d'ours, attention. On s'en sort plutôt pas mal. Ah, il y a encore un ours. Ok, bonne esquive. On va prendre un autre potion de mana. On va essayer de faire notre truc là. Voilà. Alors, maintenez air right. Ok. Ok. Trouver la bonne fréquence. On charge. Nagasaki! Et voilà, on a fait fuir tout le monde. Plutôt pas mal de ce système. On trouve des dollars canadiens là. Ok. On a un coffre. Armure de barbare, équipement, ok. Une gemme et on va récupérer également autre chose. Bon, on lui parle. Je suis libre! Je suis libre! Oh, n'avez-vous besoin de collections traduites? Ok. Celle-là, ça se traduit par celle-là. Celle-là, ça se traduit par celle-là. Voilà! Bonjour! Merci beaucoup! Ok, bon, on s'en sort vachement bien, je trouve. On va sortir de là. On est presque au level 13 d'ailleurs. Nouveau message de la princesse du Canada. Super. Tu es un vrai héros du Canada. Ok, les quêtes. Apporter le document traduit à Annie. Ok, retrouver Cal dans le jardin après. Donc, du coup, on quitte le Canada. Voilà, ça c'est fait. Et on se barre. Alors c'est dommage, on va se retaper toute la forêt. Tu me dis quelque chose, gentil Canadien ? Je te comprends. Énorme. On va rester sur le sud absolu. Hop là. Hop là, sud absolu. Voilà, ça s'est resté. Hop. Et on va choper un timide drapeau. Ah, ça nous fait du bien de retrouver notre South Park envahi par les zombies. Et du coup, direction du coup la mairie. Donc on va aller, tac. Ah, Centraville. Hello, new kid. Salut. Voilà. On va avoir les filles. Donc on a rencontré Terence et Philippe au final. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom. So Heidi Turner was the two-faced bitch. The evidence is irrefutable. Thanks, new kid. We now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freaking whore. Two-faced butt rag. Fuck Heidi Turner and her fucking two-faced ass. But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. Tout ça pour ça, quoi. Oh, putain. Well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game.
Sparkle, Sunshine. Sunshine. Putain. Tout ça pour rien. Ouh. Oh, c'est moche. Ah, c'était là leur truc alors. Ok. Ils sont dans des chiottes en fait. Très bien. Donc on a un truc à aller voir par là, je crois. Si je dis pas de bêtises. Une bannière ou quoi, non? D'accord. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je casse tout, je suis comme ça. Et du coup, donc là on a trois nouvelles amies, super, on a Wendy et tout. Soirée pyjama chez bébé ce week-end prochain, si tu lis ce message et que tu es invité, n'en parle à personne. Ouh, trop de la boule. Ok, on est là, il faut que nous allions ici, donc du coup on va retourner en arrière. Et on va rusher. Ah, coucou. Billy tried to steal my hidey spot, but I made him go away. Ok, on a trouvé un enfant supplémentaire. Bon, ça mange pas de pain, hein, j'ai envie de dire. Tant qu'à faire, tant qu'on y est. Pourquoi se prendre la tête? Bon, on n'est pas loin du coup de la maison. Je regarde la carte toujours, excusez-moi, mais voilà. C'est ça, hein, c'est celle-ci. C'est la maison du juif. Toujours pas de problème avec les juifs, hein, je préfère préciser. Oh, un frigo. Merci. Allez. Douchebag, you were supposed to recruit the girls. What's the delay? Man, this place is super crappy. Everyone listen up. The girls have agreed to fight by our side. The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Clatan. Ça va fighter, les amis, j'ai l'impression. Waouh. Today, we are not elves and humans. Today, we fight as one. Oh, putain, what we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Mec bizarre. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice, prepare! Ready! And let's meet a plan! Okay. Oh putain, le bordel! Le daron, il hallucine. Let's get it! On va sauver Wendy. Is there anything you can do? Allez, on va faire sauter le pont-levis grâce au Nagasaki. Trouver la bonne fréquence. Ah, c'est pas mal. On est bien. On est très très bien. Merde. Faut que je reste comme ça en fait. J'ai pas tout saisi sur le Nagasaki encore. Là, ça semble bon. Mince. Allez, faut que ça pète, ça. Ok. Alors lui, il peut faire quelque chose, apparemment. Ouais, ça, on s'en fout. Hop, va soigner Wendy, hein. Ok.
horrible triumph. Gee whiz, whistle bridges. Ah, en fait, faut jouer avec les deux sticks, j'ai l'impression. Putain, c'est super chaud en fait. C'est super chaud à tenir. Voilà. Ok. J'ai compris, je pense. C'est avec les deux sticks. Trouver les bonnes fréquences, hein, y a pas de soucis. Ah voilà, on l'a eu. Putain. Du coup, on peut partir à l'assaut. Ah merde. Ok, un tir là-dedans, je pense. Non, même pas. Hop, on va casser ça. Bouffer ça. Et on va se transformer en gnome pour rentrer à l'intérieur direct. Alors, lui, il pourrait aller soigner à la limite le gnome. Ce serait bien s'il se mettait de notre côté. Ah ok. Très bien. Hop, voilà, on va se faire ce gros rat déjà. Voilà. Et voilà. C'est réglé. Hop, et voilà. Bon, on va regarder un peu notre commentaire, les amis. Notre commentaire. Et n'oublie pas, Nagasaki! Ok, on va regarder notre inventaire. Est-ce qu'on a quelque chose de mieux? Non, ça n'a pas l'air. Ici non plus. Ici, on a quelque chose de nouveau. Alors, 20 dégâts supplémentaires de feu. Ouais, ouais, qu'on fait une attaque renforcée. Non, on va rester là-dessus. On n'a plus besoin d'être une gonzesse. Hein, voilà, donc on va se mettre des trucs tatouages biologiques sur la gueule. Des lunettes, on en a pas beaucoup. On va mettre autre chose. Genre ça, voilà. Ça. Ok. On prend tout. Et il nous a aidé, pour le coup, il est cool. Et on va pouvoir tirer là-dessus pour ouvrir une brèche et en sortir. D'accord. Ta ta ta. Le mage, ça fait toujours chier un mage. Hop, donc on va se faire d'abord le mage. Hop, voilà, comme ça, ils vont tous cramer. Parfait. Et on va appeler notre ami le professeur Kao. Trois, deux, un, go! Ouais, le marteau du Kao. On va les calmer. Au moins les autres se cassent. Toujours ça de bon, hein. Hop. Voilà. Butters, à toi de jouer. Parfait. Il défonce tout, Butters. Il défonce tout. Parfait, on va les pouiller. Hop, hop. Et il en reste un, en théorie. Voilà. Il y a quoi dans ce sac? Ok. Hop,
un joli tir là-haut, je pense. Voilà. Et les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Voilà, ça fait pratiquement une demi-heure qu'on est ensemble. Je vous remercie d'avoir maté cet épisode, les copains. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur le YouTube en vous abonnant. Et également sur le Twitter, à @inrealgame. On diffuse énormément de choses en ce moment sur le Twitter. Donc n'hésitez pas, et c'est le seul moyen de rester à l'écoute H24 de l'actualité IRG, de l'actualité jeux vidéo et geek. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.